De qui le résultat? Ça dépend de nos partenaires, et en particulier de la Russie. Et la Russie, je l'appelle à prendre ses responsabilités. Aujourd'hui, le secrétaire général des Nations Unies l'a dit lui-même, les bombardements des hôpitaux, par exemple, sont des crimes de guerre. Est-ce que la Russie acceptera de porter la responsabilité de tels actes qui sont insupportables du point de vue de la conscience humaine? Ça, c'est vraiment l'urgence. Et on a